Hi, this video was brought to you by iDetude Media. In today's video, we are going to talk about Kalala Omutunda. Je suis allé manger une fois chez un Chinois. Et en discutant avec ce Chinois, qui était quelqu'un de vieux, hein, je lui dis, mais c'est quand même surprenant que les Chinois ne cherchent pas à être plus présents dans les grands médias français. Et il m'explique qu'en fait, les Chinois ne cherchent pas à être présents dans les grands médias français parce que si un Chinois est à la télévision, il faut qu'il parle chinois et qu'il dise aux Chinois ce qui se passe en Chine. Et en prenant les chaînes câblées, il m'a montré en fait que les Chinois ont plein de chaînes de télévision, on parle chinois. Et il a fait venir son fils et il a demandé à son fils qu'est-ce qu'on dit dans cette chaîne de télévision. Et le fils lui a dit, ben papa, là, on dit que à Shanghai, c'est la météo et qu'il va faire beau cet après-midi. Et il me dit, vous voyez, quand un Chinois est à la télévision, non seulement ça permet à un Chinois, un enfant chinois qui n'est pas en Chine, de travailler la langue, mais en plus il sait ce qui se passe en Chine. Who is a Guadeloupean writer, Egyptologist, which is a study all the aspects of ancient Egypt across periods from about 7000 BC to the early Middle Ages, and a specialist in classical African mathematics. He founded the Enijart Institute of African History based in Guadeloupe, as well as satellite institutes in Canada, Guyana, Martinique, and Haiti. Via his institute, Omutunda worked tirelessly to empower Africans, particularly the black youth in the diaspora and beyond, by teaching African history, origin, and ancestors. Omutunda was also a project manager at UNESCO and was influenced by Cheikh Anta Diop. Omutunda earned a degree from the École de Publicité de Paris and became a teacher at the Institute Africameat. Une chose qui est cachée, c'est que c'était des Noirs qui vivaient en Italie avant. Et c'est ça qui fait la différence civilisationnelle entre les Grecs et les Romains. C'était pas le même apport en termes de souche. Maintenant, il y a une chose que je voudrais souligner, c'est que vous comprenez que cette notion d'écriture va donner lieu au premier texte sacré, ce qu'on appelle, la Bible aujourd'hui. Mais la Bible, c'est un mot qui va être inventé au 5e siècle. C'est-à-dire, en moins 500, les Grecs vont arriver en Afrique, vont voir nos textes sacrés écrits sur papyrus, et ils vont appeler ça Biblus. Et lorsque les pères de l'Église, c'est-à-dire Alexandre d'Alexandrie, c'est l'Afrique, Clément d'Alexandrie, c'est l'Afrique, Origène d'Alexandrie, et ça je pourrais rester longtemps, parce que beaucoup de pères de l'Église étaient africains, quand ils ont traduit les textes sacrés, donc africains, dans leur langue, ben, ils ont gardé le mot Bible. Mais nous on disait Medou Necher. Medou Necher, ça veut dire Medou, les paroles, Necher Dieu, donc les paroles de Dieu. He made an appearance at the UNESCO event Africa Week on 22 May 2017, with the theme investing in African youth through mathematics. Omutunda rejected his French name to affirm his African roots, taking the name Nyasis R. Kalala Omutunda with Egyptian and Congolese roots. In December 2000, the Regional Council of L'Île-de-France paid Street Spirit Culture €650,000 to organize a hip-hop World Cup in Paris. Now, let us watch one of Kalala Omutunda's teachings. In this clip, you'll see how he brings African history to life in a simple and powerful way. His lessons were always full of passion and inspired many to take pride in their African roots. His goal was to show the greatness of African civilizations, making history something everyone could connect with and understand. Let's dive in and experience a part of his remarkable teaching journey. Je me retourne vers les enfants, je dis aux enfants, est-ce que vous avez déjà vu la publicité où la reine Nefertari prend son bain? Les enfants me disent oui. Et je dis, quelle est la particularité de l'eau? Les enfants me disent, mais c'est du lait. J'ai dit, tu vois, regarde comment tu viens de dire quelque chose et regarde comment tu te ridiculises devant tes camarades. Et je lui dis, regarde encore un deuxième problème. Quand on a découvert le tombeau de Toutankhamon, est-ce que tu connais le nombre de paires de chaussures qu'on a trouvées dans le tombeau? Parce que la paire de chaussures, la sandale Tchébout, c'est une invention de l'Afrique. Les gens ne marchaient pas pieds nus. Pieds nus, c'est quand tu fais un rituel. Si vous regardez les stèles, on est dans le cadre d'un rituel. Effectivement, le roi, la divinité, tout le monde est pieds nus. Mais les gens ont des chaussures en or, qu'on vous montre même pas. Avec des styles, machin, même les babouches c'est une invention de l'Égypte antique.
faut savoir qu'Europe était une femme africaine, parce que son père et sa mère sont nés en Afrique. Et le frère d'Europe, qui est Cadmos, c'est lui qui a porté l'écriture en Europe à l'époque où il y avait des Noirs qui vivaient là. Et il y a des études ADN qui ont démontré qu'avant, il y avait des Noirs qui vivaient en Europe, puisque les personnes d'ascendance caucasienne venaient du Caucase, c'est-à-dire de la Russie. Et ils ont envahi l'Europe au milieu du deuxième millénaire, au moment où on était en train d'amener cette écriture, donc africaine, en Europe. Cadmos a créé en Europe la cité de Thèbes. Thèbes se trouve en Afrique. Et c'est la cité où il est né. Cadmos est né à Thèbes de l'aveu des historiens grecs. Et c'est pour ça qu'il a créé la ville de Thèbes en Europe. Mais parce qu'il était parti à la recherche de sa sœur, voilà que finalement, ce continent va porter le nom de cette femme noire qu'on dépeint aujourd'hui comme blonde aux yeux bleus, alors qu'Europe n'a jamais été blonde aux yeux bleus. Quand on vous dit que Jésus est venu sauver l'humanité, le problème c'est qu'il y a avant et après lui. Donc qu'est-ce qu'on fait des gens qui étaient avant? Puisque s'il est venu pour sauver tout le monde, il aurait dû arriver avant tout le monde. Et là, c'est le cas justement de la théologie africaine. Parce que dans la théologie africaine, on a ce fils de Dieu qui arrive, mais qui prépare les conditions existentielles de toutes les formes de vie. Donc quand on dit la notion de l'immortalité, mais les Africains considéraient cette immortalité comme étant transversale dans le processus de la nature. C'est-à-dire que le principe, c'est de dire que c'est pas le fait de créer une forme de vie, mais il faut à boire, il faut à manger, et il y a toute une liste de vitamines qu'il faut pour que cette vie soit équilibrée. Donc il faut créer les conditions existentielles de tout cela. Et bien voilà pourquoi, chaque fois qu'on parle de l'origine de la notion de la vie éternelle, on commence en Afrique. Pourquoi, quand on parle de l'histoire de l'esclavage, on fait croire aux gens qu'on a sorti du continent africain 15 millions d'abrutis? Le problème, c'est pas que le fait qu'on fasse croire qu'on a sorti 15 millions d'abrutis, c'est comment nous, descendants d'Africains déportés, nous nous sommes laissés berner au point de croire que les Africains qu'on a sortis du continent, c'était 15 millions d'abrutis. Est-ce que vous voyez l'affaire? Quand vous prenez le temps de voir toutes les plus grandes découvertes faites dans la Caraïbe, en Amérique et autres, mais c'est les Noirs qui sont à l'origine de tout ça. Pourquoi on a fait des lois interdisant aux esclaves de déposer des brevets? En disant que le brevet étant un contrat entre le citoyen et le pays et la nation, comme l'esclave n'est pas citoyen, il ne peut pas contracter avec la nation. Mais il y a des lois, il y a des textes, il y a des choses qui prouvent que, effectivement, très tôt, les Noirs ont commencé à innover. Je suis allé manger une fois chez un Chinois. Et en discutant avec ce Chinois, qui était quelqu'un de vieux, hein, je lui dis, mais c'est quand même surprenant que les Chinois ne cherchent pas à être plus présents dans les grands médias français. Et il m'explique qu'en fait, les Chinois ne cherchent pas à être présents dans les grands médias français, parce que si un Chinois est à la télévision, il faut qu'il parle chinois et qu'il dise aux Chinois ce qui se passe en Chine. Et en prenant les chaînes câblées, il m'a montré en fait que les Chinois, en pleine chaîne de télévision, on parle chinois. Et il a fait venir son fils, et il a demandé à son fils, qu'est-ce qu'on dit dans cette chaîne de télévision? Et le fils lui a dit, ben papa, là, on dit que à Shanghai, c'est la météo, et qu'il va faire beau cet après-midi. Et il me dit, vous voyez, quand un Chinois est à la télévision, non seulement ça permet à un Chinois, un enfant chinois qui n'est pas en Chine, de travailler la langue, mais en plus, il sait ce qui se passe en Chine. As we come to the end of this video, we hope you've gained insight into Kalala Omotunde's profound impact through his teaching. His dedication to sharing African history and empowering the African diaspora continues to inspire many around the world. His legacy lives on through his lessons, reminding us of the importance of understanding and celebrating African heritage. Thank you for watching, and we encourage you to explore more of his work to continue learning from his powerful teachings.